Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour ce mois de janvier. On va commencer par le rapport final de l'USDA du mois de janvier qui donnait donc les chiffres de production des cultures américaines. L'USDA a finalement abaissé les superficies récoltées mais augmenté les rendements pour le maïs et le soya. Pour la production de maïs, on parle de 13,7 milliards de boisseaux. Donc une baisse de 4,5% par rapport à l'an passé. Et pour le soya, on parle d'une récolte de 3,6 milliards de boisseaux, donc une diminution de 19,6% par rapport à 2018. Les stocks des deux grains baissent en 2020. Pour le maïs, on parle d'une diminution de 14,8% et pour la fève, une chute de 47,7%. Donc le portrait est quand même globalement positif, puisqu'il y a une baisse de production des deux grains ainsi que des stocks. Pourtant, le marché des grains est nerveux et volatile. Il y a deux raisons à cela. D'abord, le rythme des exportations américaines de maïs est très lent cette année. On parle d'un retard de 13 millions de tonnes par rapport à l'an passé, principalement à cause de la concurrence brésilienne. Et le deuxième facteur, je vous dirais, c'est principalement celui-là qui prédomine actuellement, c'est l'incertitude qui entoure l'accord commercial sino-américain qui a été signé le 15 janvier. Et il n'y a toujours pas d'achat chinois de soya à date, ce qui énerve les observateurs. D'un autre côté, le Sénat américain a finalement approuvé la dernière version de l'accord de libre-échange nord-américain. Celui-ci devrait être ratifié par le Canada dès le retour des députés à la Chambre des communes le 27 janvier. Une autre guerre commerciale, celle-là, la guerre sino-canadienne, continue. Le canola est toujours bloqué en Chine et il n'y a presque plus d'achat de soya canadien par les Chinois. Maintenant, le marché local, il faut dire qu'il s'est bien adapté à la réalité des grades inférieurs de maïs cette année. Pour le grade 2, dépendamment du prix offert, il peut y avoir une prime de 10 à 20 $ la tonne suivant le poids spécifique. Pour les escomptes, pour un grade 3, ça va de 0 à 3 $. Le grade 4, de 5 à 8 $. Le grade 5, ça tourne autour de 15 $ la tonne. Et pour le maïs échantillon, c'est du cas par cas, dépendamment de la raison du déclassement. Notre scénario des prix, pour le maïs aussi à court terme, pour le soya neutre. Même si on ne peut pas parler de pénurie, le marché local du maïs est très serré. Cela est reflété par la forte augmentation des bases locales. Les importations sont quand même restreintes. D'abord, les États du Nord, du Midwest ont une qualité du maïs assez mauvaise, je vous dirais dans certains cas similaire à la nôtre. Les grands lacs sont fermés à la navigation jusqu'en avril. Et puis, il n'y a plus vraiment de maïs brésilien qui est disponible. Un dernier point quand même à noter, notre scénario des prix prend pour acquis que la Chine respectera ses engagements pris dans le cadre de l'accord commercial sino-américain. Voici ce qui conclut nos tendances pour le mois de janvier. Au plaisir de vous retrouver en février.